à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique panier. Donc, c'est un panier juste superbissime. Il a le même point, donc ça, je le précise, du fond du sac jusqu'au poignet. Donc, vraiment, je vous ai adapté ce joli point en cercle pour faire le fond. Ensuite, je suis montée avec le point et on va apprendre également à faire les poignets avec ce magnifique point. Donc ici, j'ai mis quelques objets dedans, en fait, pour que vous puissiez voir. Je vais y glisser également un cahier, pourquoi pas, parce que quand on va au parc ou je ne sais pas où et qu'on veut mettre des notes en même temps qu'on crochette, c'est pratique un cahier. Vous pouvez mettre ce dont vous avez envie. Je vais remettre ici un deuxième cahier pour que vous voyez vraiment la place qu'a ce sac. Vous pouvez mettre votre téléphone ici dans un coin et il y a encore plein de place. Il y a tout ce qu'il vous faut. Très important, quand vous chargez ce sac, il ne se déforme pas. Le bas, en fait, ne devient ni comme ça, ni quoi que ce soit. Et ça, c'est parce que l'iCord est en coton, 100%. Donc voilà, il nous offre en fait cette tenue formidable. On dirait que ce sac, il est fait en corde. Enfin, en corde. Vous voyez ce que je veux dire? En jute ou quelque chose comme ça. Et il est vraiment magnifique. On dirait pas du tout qu'il est crocheté également. C'est un trompe-l'œil. Il est vraiment tissé. Trop joli. Donc voilà, le point, vous devez le connaître si vous regardez mes tutoriels. Mais on ne l'avait pas sous cette forme de panier. Et puis surtout, le fond en fait. Donc voilà. Donc voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous plaît. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Donc pour réaliser ce joli panier, donc qui va avec toutes les tenues, avec notre petite blouse aérienne d'été, nos petits jeans, nos robes, nos sandales, etc. Vraiment, c'est le... votre compagnon qui va vous suivre partout parce qu'il va avec tout. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet 5,5 déjà pour tout crocheter. Vous avez vu la tenue. Parce que comme vous allez voir ce point en fait, comme on prend en fait les certaines boucles du rang antérieur, ce qui se passe c'est comme s'il y aurait deux couches. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est super super rigide. Voilà. Donc un crochet 5,5, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, 5 marqueurs. Et d'iCord, j'ai utilisé 4 pelotes. Pas du tout 4 entières, hein. 3 et un petit peu de la quatrième. Donc voilà, pour cette énorme taille. Donc voici de quoi vous aurez besoin. Optionnellement, vous pouvez utiliser des perles. C'est-à-dire que par exemple, vous faites des pompons à franges, quelque chose comme ça, vous savez. Et puis vous allez venir tout simplement décorer ce pompon à franges avec soit des perles nacrées, soit ici en métal. Elles sont vraiment magnifiques. Ce genre de perles, vraiment, ça fait super joli sur les sacs. Ou bien, rester dans le thème vraiment nature et mettre des perles en bois. Donc, voilà. Optionnellement, donc, moi, je ne l'ai pas mis, hein, mais vous pouvez très, très bien le mettre. C'est mettre un bouton clipseur à l'intérieur, de façon que, quand vous chargez votre sac et vous voulez le fermer, vous avez juste qu'à joindre ces deux morceaux ensemble et ça fait clips. À vous de voir si vous voulez le faire ou sinon, vous ne voulez pas le faire. Donc voilà de quoi vous aurez besoin pour réaliser ce sac. Donc tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique panier, je vais vous le faire cadeau. Donc comme d'habitude, pour pouvoir le remporter, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus, donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort parmi tous les numéros un numéro. Et donc, ce sera cette personne-là qui pourra recevoir le sac chez elle. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu'il lui plaira. J'en suis sûre que vous allez le mettre avec toutes vos tenues, etc. Vous n'allez pas le quitter. Vraiment, il est très, très joli. Je vous promets. Et très pratique surtout. Donc, voilà. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en faisant un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir le fixer ici. Avec une maille en l'air. À l'intérieur, on va faire 8 points. Donc les 8 points, on va les faire comme ceci. On rentre et on ramène. Et on fait une maille serrée traditionnelle. Maintenant, ici, au bord de chaque maille serrée, vous allez voir, c'est très important de le comprendre puisque tout le sac, il est fait comme ça. Donc, tout simplement, ici, vous avez comme un petit bâton sur le bord, toujours dans l'extrémité. Vous devez passer le crochet à travers ce petit bâton. Piquer dans le nœud coulant, ramener le fil et terminer. Vous voyez, là, on a fait un deuxième point. Donc ça, c'est ce que vous allez faire en permanence. Je rentre à travers ce petit bâton, je pique dans le nœud coulant, je ramène et je termine ces trois boucles ensemble. Là, j'ai fait un troisième point.
On va faire un quatrième petit bâton, toujours dans le nœud coulant. On ramène le fil, on termine ces trois boucles. Là, on en a fait quatre. C'est simple de savoir compter en haut. Vous voyez ? Regardez, 1, 2, 3, 4. On continue jusqu'à en avoir 8. Petit bâton, vous voyez, il est là le petit bâton, il est dans l'extrémité. Vous ne pouvez pas le manquer. Nœud coulant, on ramène et on termine. Petit bâton, on pique, on ramène et on termine ces trois boucles. Petit bâton, on pique, on ramène, on termine ces trois boucles. Donc là, je contrôle combien j'en ai 7. Il m'en manque une. Petit bâton, nœud coulant, on ramène et on termine. Là, j'ai 8 points au total. Je viens serrer le nœud coulant bien fort. Donc, n'ayez pas peur, c'est du coton, ça ne se casse pas. Ici. Comme ceci. Vous allez venir vous munir d'un marqueur, on va en avoir besoin. Donc, on va travailler tout en spirale, vous allez voir. Comme ça, le résultat, il sera beaucoup plus joli. Donc, on vient maintenant commencer le deuxième rang. On pique dans le... Vous voyez ici, dans le dernier point, on a le petit bâton ici. Vous passez le crochet à travers ce petit bâton. Vous piquez dans la première des mailles, des 8, qui est là. Et derrière, il y a comme une petite boule. Ça, c'est vraiment très important pour avoir le sac qui est ferme et non pas mou. Donc, vous avez les deux mailles ici, les deux brins de la maille. 1, 2. Vous piquez à travers ces deux brins. Et derrière, vous avez une petite boule. À chaque fois, il y a une petite boule. Comme un autre petit brin, vous voyez. Vous passez à travers également. On ramène. Ici. Au début, ça va être un peu difficile le deuxième rang, là, mais après, c'est bon. Donc là, 1, 2, 3. On termine. Là, on a fait le premier point du rang 2. Vous venez tout de suite marquer ce point-là, puisque c'est le premier. Et comme on travaille en spirale, il faut qu'on se repère. Donc, on prend le petit bâton. On va venir piquer exactement au même endroit. Vous voyez, en prenant bien les deux brins de la maille, plus le petit fil qui se trouve derrière. Vous voyez, il y a des fils derrière. Donc ici, vous le prenez bien. Vous voyez, il est là. Une fois que c'est bon, vous ramenez votre fil et vous terminez les trois boucles ensemble. Là, on a fait une augmentation. Maintenant, on passe dans la maille suivante, ici. Mais d'abord, vous prenez le petit bâton de la dernière maille. Vous piquez dans la maille suivante. Et n'oubliez pas de prendre le petit morceau également qui se trouve derrière. Ça, c'est vraiment très important. Vous ramenez votre fil. Vous terminez ces trois boucles ensemble. Petit bâton. On pique toujours dans la même maille. On ramène. On termine ces trois boucles. Là, on a fait de nouveau une augmentation. On continue jusqu'à avoir terminé tout le tour. Donc, petit bâton, maille suivante. Vous voyez, vous attrapez la maille, les deux brins ici, plus celui-ci. Vous voyez qu'il est là. On a les deux brins normales et là, vous avez un petit morceau. Vous passez le crochet à travers également. On ramène le fil. On termine ces trois boucles. Petit bâton. On pique au même endroit. On ramène le fil. On a trois boucles de nouveau. On termine ces trois boucles ensemble. Là, on a refait une augmentation. Et bien ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. Donc, vous allez voir que ça va très vite. Vous voyez de le faire. Hein. Moi, je suis allée doucement là pour vous montrer. Mais c'est quand même quelque chose de très simple. Petit bâton. On va dans la maille suivante. On attrape bien le petit morceau qui se trouve derrière. On ramène. On termine ces trois boucles. Petit bâton. On pique au même endroit puisque là, on doit refaire une augmentation. Et on termine ces trois boucles. Dans chaque maille, vous travaillez deux fois. On recommence. Petit bâton. Maille suivante. Avec le petit morceau derrière. On ramène. On termine ces trois boucles. Petit bâton, on pique dans la même maille. On ramène et on termine ces trois boucles. Petit bâton, va dans la maille suivante. On ramène, on termine ces trois boucles. Petit bâton, toujours dans la même maille. On ramène et on termine. À la fin, vous devez avoir 16 points. Donc après, on va venir compter ensemble. Petit bâton, on va dans la maille suivante. Donc ici, assurez-vous que vous avez bien pris le petit morceau qui est derrière. Vous voyez, il est là.
Vous ramenez, vous terminez ces trois boucles. Petit bâton, toujours dans la même maille, on ramène et on termine ces trois boucles ensemble. Donc là, on a terminé le deuxième rang. Vous allez voir comme il est rigide, mais c'est exagéré, vraiment, il est très très rigide. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Là, c'est bon. On a 16 mailles. C'est exactement ce qu'on devait avoir parce qu'on a fait une augmentation dans chacune des 8 mailles. Donc là, on a terminé le rang 2. On enlève le marqueur, on passe au rang numéro 3. Mais d'abord, je vais venir me préparer du fil. Donc le rang numéro 3, ici, c'est là où il y avait le marqueur que j'ai enlevé. Donc on va venir faire la séquence qu'on va répéter tout le rang, ça va être un point normal et dans la maille suivante, deux points. Donc on commence par le premier, individuel, on passe à travers le bâton de la dernière maille et là où il y avait le marqueur, vous piquez et vous attrapez bien le petit morceau qui se trouve également derrière. Ça c'est important. Vous ramenez, vous terminez ces trois boucles ensemble. Et vous marquez tout de suite ce point-là puisque c'est le premier en fait du rang. Dans la maille suivante, vous savez que vous devez faire une augmentation. Donc, vous prenez le petit bâton, le premier petit bâton ici. Vous allez dans la maille suivante. Vous attrapez bien le morceau qui se trouve derrière également. On ramène et on fait un point. On attrape le bâton. On pique exactement au même endroit. On ramène et on fait notre deuxième motif au même endroit. Donc là, on a fait une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc, on continue. Prends le bâton, va dans la maille suivante, on fait un motif normal. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Petit bâton, on pique dans la maille suivante. On ramène une fois et au même endroit, une deuxième fois. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Un motif normal dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une augmentation. Bâton, on pique, on ramène, on termine. Bâton, on pique, on ramène, on termine. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer le rang. Un point normal, une augmentation, un point normal, une augmentation, tout le tour. J'ai terminé, j'ai enlevé mon marqueur ici dans la première des mailles, vous voyez ? Maintenant, on commence le rang suivant. Tous les rangs seront annotés dans l'écran, comme d'habitude, vous savez que je vous annote toujours dans l'écran les parties des ouvrages avec les rangs. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le premier rang. La séquence qu'on va venir répéter tout le long, ça va être deux motifs normaux. Donc ici, je vous le refais. J'attrape le bâton de la dernière maille que j'ai fait. Je pique dans la première des mailles, là où il y avait le marqueur. Et vous prenez bien le morceau, hein. Derrière, n'oubliez jamais, vous ramenez et vous terminez ces trois boucles ensemble. Vous marquez de suite cette première maille, c'est la première du rang. On attrape le petit bâton, on va dans la maille suivante. On attrape tout, la maille plus la petite partie qui est derrière. Vous ramenez votre fil et vous faites votre deuxième point normal. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc, petit bâton. Dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez, vous terminez les trois boucles. Petit bâton, on pique dans la même maille. Et on refait ça une deuxième fois. Là, on a fait une augmentation. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter tout le long, en fait, hein, tout simplement. Donc on recommence. Vous piquez, vous ramenez, ici dans la maille suivante. On termine, ça fait un point. On va... Dans la maille suivante, on fait la même chose. Un deuxième point. Et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc, petit bâton. On pique dans la maille suivante. On ramène. Une fois. Petit bâton, toujours dans la même maille. Une deuxième fois. Là, on a refait une augmentation. Donc, ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter tout le long jusqu'à terminer. Donc, on le refait ensemble. Une fois. Deux fois. Et dans la maille suivante, on va le faire deux fois. Donc, petit bâton, on va dans la maille suivante. Et là, on fait deux points. Un,
On attrape le petit bâton, on pique dans la même maille et on fait notre deuxième point. Là, on a fait l'augmentation. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout le tour. J'ai terminé complètement tout le tour. Maintenant, on passe au rang suivant. Donc là, la séquence normale, ça serait 3 mailles série, une augmentation, tout le tour. Nous, on va venir décaler ça pour que ça fasse toujours un cercle, en fait. Donc pour cela, vous passez à travers le dernier petit bâton, dans la première des mailles, celle qui était marquée. Vous ramenez toujours à travers le petit morceau. Hein. Vous ramenez, et ici, vous faites un point normal. Ce point normal, vous venez tout de suite le marquer, c'est le premier du rang. Maintenant, on va faire une augmentation dans la maille qui suit. Donc vous attrapez le petit bâton, vous allez dans la maille suivante, et là vous faites deux points dans la même maille. Donc un, petit bâton, pique dans la même maille, et on en fait un deuxième. Là on a fait une augmentation. À partir de là, la séquence, on la reprend normale, comme si on n'avait pas fait ça. Donc trois points normal, petit bâton, maille suivante, un point normal. Petit bâton, dans la maille suivante, un deuxième point normal. Petit bâton, maille suivante, un troisième point normal. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Donc, petit bâton, dans la maille suivante, on pique et on fait ici deux points. Donc, on en fait un premier. On pique à travers le petit bâton, toujours dans la même maille et on en fait un deuxième dans la même maille. Là, on a fait une augmentation. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter jusqu'à terminer. 3 mailles normales, donc 3 points normales, et dans le suivant, on fait une augmentation. J'ai quasiment terminé ici le rang. Et comme vous vous rappelez, on avait commencé par un point normal. C'est-à-dire que là, on va finir par 2 points normales qui vont compléter le point qu'on avait fait tout seul au départ. Et du coup, on aura toujours 3 points entre augmentation et augmentation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans les 2 mailles qui restent, on fait des points normales. Donc, petit bâton, on pique dans la maille suivante, on ramène un motif normal. Petit bâton, dans la dernière des mailles, motif normal. Et là, on a fini le rang complètement. Voyez ce que ça commence à donner. Je vais bien vous le mettre. Ça doit vous donner un rendu bien plat. Vous voyez comme c'est dur, c'est exagéré comme c'est dur. Maintenant, on enlève ici le marqueur. Et on commence le nouveau rang. Donc là, la séquence qu'on va venir répéter tout le long, ça va être 4 points normales, une augmentation. Donc on commence. Le premier, on soulève le bâton. On va dans la première des mailles du rang qui était marquée. On ramène et on termine ces 3 boucles. Là, on a fait le premier point. On vient tout de suite marquer ce premier point. De nouveau, on va en faire un deuxième normal. Donc petit bâton, maille suivante, on ramène. On termine ces 3 petits bâtons. Petit bâton, maille suivante, on ramène, on termine. Là, ça fait 3 déjà. Petit bâton, maille suivante, quatrième point normal. Dans la maille suivante, on va en faire 2. Donc, on va faire notre augmentation. Donc, petit bâton, on pique dans la maille suivante, on ramène et on termine. Petit bâton, on pique exactement dans la même maille. On ramène, on termine. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le long. Donc on va le refaire encore une fois ensemble. Petit bâton, on pique dans la maille suivante, on ramène. Là, ça fait un point. Petit bâton, dans la maille suivante, on ramène, on termine. 2 fois. On a fait 2 points. Petit bâton, dans la maille suivante, un troisième point normal. Petit bâton, dans la maille suivante, un quatrième point normal. Maintenant, dans la maille suivante, on doit faire l'augmentation. Donc, petit bâton, dans la maille suivante, on pique, on ramène et on termine ces 3 boucles. Petit bâton, dans la même maille, vous repiquez et vous faites un deuxième. Et là, vous voyez, on a terminé. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer complètement le rang. J'ai terminé de répéter toujours la même chose, 4 motifs normales, une augmentation. Donc maintenant, on passe au rang suivant, où on va venir faire, ici, 2 motifs normales, on va dire. Donc, 1, je marque le premier motif des 2 que je dois faire, c'est le premier du rang.
On fait un deuxième, petit bâton dans la maille suivante et je fais mon deuxième. Maintenant, dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Petit bâton, on passe à travers, on ramène une fois, petit bâton, on pique dans la même maille, on ramène et on termine. Là, on a fait une augmentation. Maintenant, la séquence reprend normalement. 5 motifs normaux, donc 5 mailles normales. 1, 2, donc ici, on n'oublie pas notre petit morceau. 3, 4 et notre cinquième motif normal. Dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Petit bâton, on pique dans la maille suivante, on ramène et on termine. Petit bâton, on pique dans la même maille, on ramène et on termine. Là, on a fait une augmentation. Donc à partir de maintenant, vous allez faire 5 mailles normales, une augmentation tout le tour, jusqu'à terminer. Et à la fin, vous allez voir que vous allez terminer par 3 motifs normaux. J'ai terminé et j'ai terminé bien par mes 3 points normaux. 1, 2, 3. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang suivant. Donc là, la séquence qu'on va faire, c'est 6 mailles normales et une augmentation. Donc on commence. Petit bâton. Dans la première des mailles, celle qui était marquée, je pique. Je ramène mon fil. Et je termine ces 3 boucles ensemble. Là, j'ai formé mon premier point du rang. On vient tout de suite et on le marque. Maintenant, on fait le deuxième. Le troisième. Ici, le quatrième. Le cinquième. Et dans la maille suivante, le sixième. Maintenant, on fait dans la maille suivante une augmentation. Le petit bâton. Dans la maille suivante, on pique, on ramène. Une fois, petit bâton. Dans la même maille, je repique. Et je fais un deuxième point. Là, j'ai formé mon augmentation. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. 6 mailles, une augmentation. 6 mailles, une augmentation. Tout le tour. J'ai complètement terminé. Maintenant, on enlève ici le marqueur. On va passer au rang suivant. Donc, pour le rang suivant, la séquence qu'on va faire, ça va être 3 points normaux. Donc, on commence avec le premier. On le marque, c'est le premier du rang. On fait un deuxième. Et on fait un troisième. Maintenant, dans la maille suivante, une augmentation. Donc, petit bâton, on pique dans la maille suivante. On ramène, on termine. Petit bâton, on pique dans la même maille. On ramène et on termine. À partir de maintenant, on va faire 7 points normaux. Donc 1, 2, 3, 4 et notre cinquième, le sixième. Et le septième. Maintenant, dans la maille qui suit, on fait une augmentation. Donc, petit bâton, on pique dans la maille suivante, on ramène. Une fois, petit bâton, on ramène dans la même maille, ici le fil, et on termine. Là, on a fait une augmentation. Donc, ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter. 7 points normaux, une augmentation, tout le tour. Je suis sur le point de terminer, donc maintenant, on va faire les 4 mailles qui nous manquent pour compléter les 3 de départ. On en avait fait 3, rappelez-vous, au départ. Donc, plus les 4 qu'on va faire maintenant, on en aura quand même 7 entre augmentation et augmentation. Donc, petit bâton, on va dans la première des 4 et on fait un point normal. Petit bâton, dans la deuxième, un motif normal. Petit bâton, dans la troisième, motif normal. Petit bâton, dans la quatrième, motif normal. Là, on a complètement terminé ici le fond de notre panier. Vous voyez comme c'est joli. Avec cette tactique-là, vous pouvez faire des tapis, vous pouvez faire vraiment de tout. C'est vraiment un très joli point tressé. On dirait vraiment que c'est tressé et pas du tout crocheté également. Il y a certains modèles comme ça que j'adore vous présenter. C'est trompe-l'œil en fait. Hein. On dirait vraiment pas que c'est fait au crochet. Donc, maintenant, on va passer à la partie haute. On enlève ici le marqueur et à partir de maintenant, on passe à la partie droite.
Donc on enlève le marqueur et ça va être très simple, vous allez voir. On va faire que des motifs individuels. Donc vous piquez. Vous piquez dans la maille suivante. Vous ramenez un point normal. Petit bâtonnet. On va dans la maille suivante. On ramène. Maille normale. Petit bâtonnet. Dans la maille suivante, on ramène. Point normal. Donc, j'en ai fait trois. Le premier, marquez-le, c'est le premier du rang. Et puis, vous allez faire que des motifs normaux. Dans toutes les mailles, pas d'augmentation. Vraiment, des motifs normaux. Vous voyez, en fait, le panier ici, on ne va pas délimiter le fond, on va le faire d'affilée. Là, on est en train de faire la partie droite. Et en fait, ça, après, vous allez voir que ça va être dans ce sens-là. Donc, on continue avec que des motifs individuels. J'ai terminé tout le rang. On enlève le marqueur. On va commencer le nouveau où on va faire à l'identique le rang précédent. Donc, petit bâton, bah dans la maille qui était marquée, on ramène le fil et on termine ces trois petites boucles ensemble. On la marque, c'est la première du rang, bien sûr. Et on continue. Que des motifs individuels dans toutes les mailles. Donc, vous terminez et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, tout simplement, on enlève ici le marqueur. Et puis, dans ce rang-là, on va faire augmentation. Donc, on enlève le marqueur. Et la séquence qu'on va venir répéter tout le long, ça va être 8 motifs normaux et une augmentation. Donc, on commence. On prend le petit bâton. On pique là où il y avait le marqueur. On ramène. Et ici, on fait la première des 8 qu'on doit faire. On vient tout de suite la marquer. Maintenant, on fait une deuxième individuelle, une troisième individuelle, une quatrième individuelle, une cinquième individuelle, une sixième individuelle, une septième individuelle et une huitième individuelle. Maintenant, dans la maille suivante, on vient faire, donc ça, ça va rubiquer, hein, c'est normal, c'est le fond du sac, et là, ça va remonter, donc c'est normal. Donc, dans la suivante, on vient faire une augmentation. Petit bâtonnet, on pique dans la suivante, on ramène, on termine ces trois boucles. Petit bâtonnet, on pique exactement au même endroit, et on en fait une deuxième. Là, on a fait notre augmentation. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le long. 8 mailles serrées, une augmentation, le tour et vous allez avoir 80 mailles serrées. J'ai complètement terminé. On enlève le marqueur. Vous voyez, ça rubique complètement là. Ça commence à prendre la forme. Donc maintenant, on enlève ici le marqueur et on commence donc le rang. Donc, on va faire que des motifs individuels. Donc, le petit bâton, là où il y avait le marqueur, vous piquez, vous ramenez le fil et vous terminez ces trois boucles ensemble. Et vous venez de suite marquer ces trois boucles. Enfin, ce premier point. Maintenant, on continue. Petit bâton dans la maille suivante, motif normal. Petit bâton dans la maille suivante, motif normal. Petit bâton dans la maille suivante, motif normal. Et vous allez faire tout le tour de cette façon. Donc, le rang qu'on vient de commencer plus le suivant, normal. J'ai terminé. Maintenant, on enlève ici le marqueur et on va passer de nouveau à un rang d'augmentation. Donc pour cela, vous allez venir faire 9 motifs normaux, une augmentation, 9 motifs normaux, une augmentation, tout le tour. Donc on commence. Ici, je prends le petit bâton, je pique là où il y avait le marqueur et je fais mon premier motif des 9. Je le marque comme ceci et on continue. Un deuxième normal. Un troisième normal, un quatrième normal, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième et on va faire donc le neuvième motif normal. Une fois qu'on a fait nos 9, on vient faire dans la maille suivante une augmentation. Donc vous piquez ici dans le premier bâton, donc dans le bâton qui est ici. Dans la maille suivante, vous ramenez, vous terminez. On repique dans le bâton, on pique au même endroit dans la même maille et on fait
Donc, notre augmentation. Donc, ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter. Quand vous aurez terminé ce rang, vous allez travailler avec des motifs individuels non-stop jusqu'à avoir la hauteur totale du panier que vous souhaitez. Donc, très important, à chaque fois que vous terminez un rang et que vous commencez un nouveau, marquez-le. Marquez ici. Vous voyez avec le marqueur la première maille à chaque fois. Donc, à la fin de ce rang, vous aurez 88 mailles. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre le panier devant vous. Et on va venir marquer, en fait, avec des marqueurs ici, là où on va vouloir que les anses commencent. Donc, vous prenez ici vos marqueurs. J'ai récupéré ici mes marqueurs. Vous en prenez 4. Et vous allez venir plier le panier en deux. Comme ceci. Et on va viser, en fait, ici où vont aller les anses. Tout simplement. Donc, c'est approximatif. Hein. Vous mettez vos marqueurs. Après, vous pouvez toujours les changer là maintenant. Hein. Une fois que vous avez mis, vous regardez bien. Et si vous voyez que ce n'est pas au bon endroit, vous les changez. Il n'y a pas de problème. Donc là, je mets vraiment approximatif. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce que je vais faire pour m'assurer que j'ai bien mis les marqueurs là où il fallait, c'est que tout simplement, je vais retirer ici le crochet. Je vais venir compter ce que j'ai de chaque côté. Pour voir si c'est bien réparti, vous voyez. Donc, après le marqueur, je commence. J'ai regardé, j'ai exactement le même nombre de mailles d'un côté que comme de l'autre. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement commencer à crocheter jusqu'à arriver à notre marqueur. Donc, le point tout à fait normal. Donc là, je ne vous montre même plus, vous avez fait tout le panier, vous connaissez par cœur. On vient marquer. Je suis arrivée au marqueur, donc maintenant quand vous arrivez ici, on laisse le marqueur, hein, ça ne nous dérange pas. On va venir en fait survoler avec des mailles en l'air, vous voyez. Et très important, vous allez prendre votre panier et vous allez voir en fait combien de mailles il vous faut pour les poignées, ben, pour que ça vous convienne. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On regarde. Et moi, je trouve que 20, c'est parfait. Donc, après les 20, je vais dans la maille qui est juste après le marqueur, ici. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est une maille serrée normale pour commencer. Donc ici, vous piquez. Piquez bien en attrapant le petit morceau derrière, ça ne change pas ça. Et vous faites une maille serrée. Maintenant, à partir de là, vous commencez le point normal. Dans cette maille serrée, vous attrapez le petit bâtonnet, que je vous montre bien de près quand même. Donc, ici, vous attrapez le petit bâtonnet de votre maille serrée, la maille suivante, et vous refaites votre point normal, hein, comme on a fait jusqu'à maintenant. Petit bâtonnet, maille suivante, et on termine les trois boucles. Petit bâtonnet, maille suivante, on termine les trois boucles. Petit bâtonnet, maille suivante, et on termine les trois boucles. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer, en fait jusqu'à arriver ici où vous allez faire la même chose. Quand vous arrivez là, votre maille serrée, le nombre de mailles en l'air que vous avez fait pour l'autre anse, vous continuez et quand on arrive au marqueur ici, on se retrouve. J'arrive à mon marqueur, donc là ce que vous allez faire, c'est qu'à partir de maintenant, on ne va plus mettre le marqueur. On va venir en fait commencer les rangs, on va dire, dans notre tête, quand on arrive ici. Là. Donc, ce que vous faites, vous pouvez vous marquer ici, hein, le marqueur. Vous le mettez, vous voyez. Et on saura qu'à chaque fois qu'on atterrit ici, juste avant la anse, c'est le début du rang. Maintenant, on va faire comme ça, parce que sinon, ça va faire une démarcation. Donc, comme on n'en veut pas, on veut que ça soit le plus joli possible. On avance le marqueur jusqu'à l'anse. Donc là, je suis en train de continuer le point tout à fait normal jusqu'à arriver à l'anse. J'arrive où il y a les mailles en l'air. Donc là, ce qu'on va venir faire, regardez. On va venir prendre le dernier bâtonnet de la dernière maille qu'on a fait. Et maintenant, on va travailler derrière cette maille chaînette. Pas comme ça, habituellement. Mais derrière, il y a comme des petites boules. Donc vous allez attraper la première petite boule ici, de la première des mailles. Vous passez à travers, vous ramenez votre fil et vous terminez ces trois boucles ensemble, donc le point normal. On attrape le petit bâtonnet. De nouveau, on attrape la petite boule suivante, elle est là.
Donc, vous vous introduisez comme ça, vous attrapez et on termine ces trois boucles. De nouveau, petit bâton, petite boule suivante et on termine ces trois boucles. Et de cette façon, regardez, la maille chaînette, elle est préservée complètement et ça donne un meilleur rendu que si on ne fait pas ça. Le problème, en fait, c'est que ça s'étire et ça fait des trous, c'est vraiment pas joli sinon. Donc, vous allez poursuivre de cette façon. Petit bâton, petite boule suivante, vous ramenez, vous terminez les trois boucles ensemble. Petit bâton, petite boule suivante, vous ramenez, on termine. Petit bâton, petite boule suivante, ne vous trompez pas, hein, cherchez-les bien. Elle est là. Hop, trois boucles. Petite boule, et on termine. Donc vous poursuivez tout comme ceci. Et ce qui va être magnifique, c'est que les poignées vont être assorties au sac. Donc vraiment tout en continu. J'ai terminé de travailler sur la poignée. Maintenant, petit bâton. Dans la première des mailles ici, on pique, on ramène, comme on fait jusqu'à depuis le début en fait. Hein, et vous terminez les trois boucles. Petit bâton, maille suivante, on termine les trois boucles. Petit bâton, maille suivante, on termine les trois boucles. Donc, vous terminez de cette manière le rang. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'autre poignée, vous allez faire à l'identique ce qu'on a fait sur celle-ci. Et puis, on se retrouve. J'arrive au début du rang. Vous voyez, là où j'avais mis le marqueur rose, si vous vous rappelez. Et maintenant, ben ici, vous continuez sur la anse. Vous allez faire un deuxième rang entier avec des points normaux. Là, point sur point. Hein. Rien de bien particulier. Vous voyez, vous faites tout votre rang comme ça. J'ai quasiment terminé ici. Donc, à la fin, quand vous arrivez ici, vous avez fait deux rangs d'affilée. Vous voyez, on a fait deux rangs d'affilée ensemble. Maintenant, quand vous arrivez ici, au marqueur, vous allez faire le point normal, c'est-à-dire petit bâton. Dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Mais là, ce fil-là, vous faites une maille coulée. Et pour terminer, on va faire un rang entier, vous voyez, de mailles coulées. Donc, vous continuez avec vos mailles coulées jusqu'à avoir fait vraiment tout le tour. Et le sac, là où il sera terminé. J'ai complètement terminé, j'arrive au bout. Vous voyez les mailles coulées? Donc, maintenant, on coupe. Donc, on va couper un tout petit morceau, hein, pas la peine d'en couper trop. Et vous tirez tout simplement le fil. Vous allez venir prendre une aiguille, donc une aiguille avec le gros tronc. Et vous allez venir tout simplement piquer à travers un point et ressortir derrière. Comme ceci. Vous voyez? Pour que vous ayez un joli résultat. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on ouvre. À l'intérieur du sac, vous allez faire un petit nœud. Après le petit nœud, vous cachez votre fil à travers votre ouvrage. Et c'est fini. Après, ce qu'il faudra faire, c'est juste un petit détail. Si vous voulez, bien sûr, hein, vous pouvez le laisser tel quel. Il est vraiment absolument divin, ce sac. Vraiment. Donc ici, on tire. Ouh. Voilà, comme ça. On remet tout bien, ce qui a pu se déformer. Et puis, ce fil-là, vous allez venir le couper. On enlève également nos marqueurs, parce que là, ils ne servent vraiment plus à rien. Et on a ici, donc, le sac de terminé. Voilà le sac terminé. Vous voyez, il est vraiment juste sublime. Il ne se déforme pas, il reste bien dur. Vous voyez, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Donc ça, c'est toujours pareil. J'aime bien vous montrer en fait tout ce qui rentre dedans. Et c'est comme d'habitude, j'ai jamais rien pour vous montrer. Donc je vais aller chercher quelques petits objets. On va les mettre ensemble dedans pour vous fasser une idée. Je me suis préparé ici quelques petits objets qui traînaient dans mon atelier pour que vous voyez bien ici tout ce qui rentre. Donc dedans, regardez. Je peux mettre deux cahiers, par exemple. Regardez comme il est grand. Donc, on met deux cahiers. On met des pelotes, pourquoi pas. Imaginez-vous que vous allez au parc, vous avez envie de crocheter. Vous allez mettre, par exemple, votre crème solaire. Une boisson. Admettons, hein.
Vous pouvez mettre, je sais pas, quelques crochets, admettons. Et encore, regardez, il y a plein de place à l'intérieur. Et très important, il ne se déforme pas avec le poids. Donc ça, je trouve que c'est quand même vachement important. Vous voyez, vous pouvez être sûr de votre sac, quoi. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc voilà, j'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu. Vous voyez, il est vraiment très joli. Il se combine avec toutes les tenues. Donc voilà, j'espère vraiment que le tutoriel d'aujourd'hui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter donc nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel. Bisous !